up, gens de l'internet? J'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme les pires. C'est parce que j'ai des bonnes vidéos aujourd'hui, les amis. On se retrouve pour l'épisode numéro 1100 quelque chose sur ma chaîne YouTube, les amis. Et bien sûr, les amis, je ne rigole pas. Nous sommes bien sûr sur la vidéo Let's Play Faction numéro 1000 quelque chose. Pardon. Désolé, je voulais juste vous dire que j'étais fier d'avoir mis ce titre-là. Donc, je vais ouvrir aujourd'hui dans le Let's Play, les amis, 10 clés épiques, les amis, 10 clés épiques, et je vais aussi vous faire gagner un grade élite, les amis. Ok, c'est bon, j'arrête, les amis, je vais vous faire gagner aussi un grade élite, et puis je vais essayer de troll quelqu'un, dans le sens que je vais essayer de niquer quelqu'un en PVP. Donc on va essayer de le trap ou faire un prank à quelqu'un. Oh, grade élite, s'il te plaît. Oh, ça allait passer proche, les amis. Malheureusement, on va gagner un pantalon en fer. Protection 5 U10. Malheureusement, nous sommes pas chanceux aujourd'hui. Donc, ouais, je disais, on va essayer de faire un genre de prank. Mais genre, essayer de pogner quelqu'un. Puis essayer, genre, le tuer. Mais genre, pour vraiment qu'il soit fâché. Et qu'il dise, genre, abus de pouvoir. Des trucs comme ça, ok. Moi, je trouve que ça... Ok, un autre pantalon. Je trouve que ça, c'est moins drôle que ça. Donc, on va faire ça, et puis bien entendu, ensuite on va redonner son stuff à la personne, et on va aussi lui donner un cadeau, les amis. On n'est pas des... Ouh, on n'est pas des petits PD, on va lui redonner un cadeau quand même, on est gentil. Oh, encore le grand élite, non! Non, il y a encore personne qui a gagné le grand élite, je pense, hein. Oh, 100 PB, nice! Nice, 100 PB, yo! Avec 100 PB, ok, ça je vais vous montrer aussi ce que vous pouvez faire avec ça après. Please, le livre coupé, nice. On pourra mettre U10 sur une de nos armures. Donc ça c'est cool, c'est cool, c'est cool. Please, 500 PB, please! Please! Je pense qu'on aura là le point. Non, on a la clé. Nice, il nous reste 3 clés à ouvrir, les amis. On est plutôt chanceux. Si vous savez pas c'est quoi la clé épée, les amis, c'est la clé qui est disponible pour l'instant sur le site. Mais elle sera pas disponible pour tout le temps. Donc si vous voulez en prendre, c'est genre maintenant ou jamais. Parce qu'elle va être encore là, je pense, pour encore une semaine ou deux. Ensuite, il y aura une autre clé qui va sortir. On aime ça changer comme ça sur le serveur des fois de clés, changer les lots dedans. Ou peut-être qu'on va juste garder... Oh, je pensais que j'allais l'avoir. On va peut-être garder la clé épique, mais changer peut-être un peu les lots, rajouter des trucs, modifier des trucs. Parce qu'il y a vraiment des trucs OP dans cette caisse-ci. Il y a le grade élite, c'est le seul grade que vous... C'est la seule caisse où vous pouvez avoir un grade élite quand même dedans. Donc c'est plutôt intéressant. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné 4 clés, on a gagné de l'armure, on a gagné ça, on a gagné 100 pièces de PB. Donc je vais aller au Warbank. Si vous avez des pièces de PB, vous aussi, voilà, vous avez ici un PNJ, le banquier, et vous échangez, vous pouvez changer des clés. Donc ici on peut voir. C'est 200 pour une clé, 300 pour une clé ou 500 pour une clé épique. Donc c'est plutôt intéressant. Vous pouvez avoir des clés épiques, des trucs comme ça avec des pièces de poids boutique. Donc au final, quand vous les ouvrez ou vous les échangez avec quelqu'un, vous les obtenez quasiment gratuitement. Donc on va lancer une pièce de PB là, on va lancer ça là, ça là, ça là, ça là, ça là, ça là, ça là. Et puis ça, on va le supprimer. Voilà, tout le monde a eu le stuff. Maintenant, let's go se préparer à PVP déjà. Ok, les amis de l'interweb, je me suis mis un beau petit stuff, j'ai pris des belles petites potions, j'ai peut-être pris un Arc Punch 3, mais ça, c'est un détail. J'ai aussi pris un armure ultra cheaté, les amis, et puis on va essayer de trouver quelqu'un, et le PVP, les amis, bien entendu, ils vont rager, parce que vous savez, les amis, je suis le meilleur dresseur, mais c'est pas grave, ça va être rigolo, ils vont bien rager, j'ai aussi une sharpness 7, donc on est vraiment là pour faire chier quelqu'un, les amis, et puis si on est sur le bord de mourir, je vais bien sûr me slash good. Par chance, pour pas que les items soient retrouvés dans le serveur ou quoi, vous comprenez, c'est fait exprès, vous comprenez. Ok, vous avez compris, moi j'ai compris, tout le monde est content, c'est la maison du content. Maintenant, ça, je peux prendre une potion d'anti-chute en fait, j'avais oublié. Ok, voilà. Parce que si on prend pas de potion d'anti-chute et on meurt de chute, quelqu'un va récupérer malheureusement notre armure et ça risque de devenir très triste. Donc on a notre première victime ici. Ok, toi tu vas vraiment vite le regretter, mec. Ouch! Ok, mon épée Sharpness, elle fait pas assez de dégâts. Faut l'enchanter plus fort, les amis. Sharpness 10. Allez, viens ici. Viens ici. Reaper Hole. Viens ici. Mais non! Non. Non! Non! C'est bon, j'appelle la police. J'appelle la police, c'est bon, je le dirai.
Trésor, il a triché, hein. On se le dit pas, on se le dit clairement. Trésor, GMC, il a triché, c'est bon. Merci pour mon arc, merci pour mon stuff. T'as triché, je vais le dire à la police, c'est bon, t'es banni. Allez, adieu. Il a triché, donc on va le bannir. Donc, Trésor, on va prendre notre Arc Punch 3, on va prendre notre Charme Meditis aussi. Et puis, le reste, c'est bon, tu peux tout garder, je m'en fous. T'es banni. Slash banni Trésor cheat. Bye! Bye bye! Ok les amis, j'ai fait un petit bâton magique. On va se mettre en vanish et puis on va essayer d'aller taper des gens, voir qu'est-ce qu'ils vont en penser de notre bâton magique. Donc on va se taper aléatoirement sur le serveur, il y a quand même pas mal de gens. Oh! Ok, t'es quand même un peu tout nu, hein, j'ai pas envie d'être. Ah non, mais il va voir mon pseudo, mec. Fuck. Attends, faudra peut-être que je fasse juste Sharpness 10 alors. Parce que sinon, ça va peut-être le tuer. Lui, ça va-tu le tuer? Là, il est genre en mode panique. Lui, ça va le tuer one shot, je pense. Pas sûr. Oh! Je l'ai pas tué one shot. The fuck? Je l'ai pas tué one shot. C'est pas très bon comme technique, en fait. Regarde comment tu casses tous tes trucs, mec. Pas bon du tout comme technique. Ici que je te tape. Ici que je te tape toi aussi. Oh! Oups! Je l'ai pas tué, je suis désolé! Non, c'est pas ma faute! Ok, les amis, notre première victime nous a découvert, donc on doit venir ici à notre deuxième victime. J'ai l'impression que notre deuxième victime est un petit peu mieux stuff. Je sais pas ce qui se passe, les amis. Les creepers le tapent, il s'en rend pas compte. Ça se trouve, il est à FK. Il y a peut-être un autoclicker. Non, il y a pas d'autoclicker, c'est bon. Je l'ai démasqué. Oups. Yeah! Trop fort. Allez! Easy stuff! Allez, salut! Easy stuff! Les amis, je crois qu'il y a eu une fight ici et je suis pas été invité. Donc on va s'inviter à la fight, vous voyez? On va s'inviter nous-mêmes à cette fucking fight! Pardon, pardon, des fois j'ai des potions, je veux dire, je suis très... Bon. Au moins, ça, on est invité à la fight, c'est cool, merci, bisous. Oh mon dieu, mesdames et messieurs, nous assistons à une fight très intense entre Trésor et Popov! Popov essaie de le trapper, mesdames et messieurs, on sent très bien la grosse trappe de 5 morts, la pute ici. Oh les amis, ça sent la trappe, oh il va avancer quand même, oh il la perd les amis pour éviter la trappe. Trésor, qu'il lui faut un petit combo, mesdames et messieurs, très intense. Oh, on peut voir aussi que Trésor est beaucoup mieux stuff, il a un casque en volcanite ainsi que des jambes, des bottes en volcanite, pardonnez-moi, mais j'ai eu un laps de dans ma tête, je sais pas ce qui s'est passé. Oh, Popov qui lance une perle, malheureusement, je crois que la perle ne ira nulle part. Trésor a réussi à chasser notre bel ami Povox. Povox. Oh, what? Il est disparu où? Ok, il a perdu juste en avant de lui, les amis, mesdames et messieurs. Quelle technique de génie! What the fuck? Povox essaie de monter, les amis. Il a réussi pas. Il réussit pas, malheureusement. Je crois que Povox va perdre. Et oui, Povox va perdre. Mais il a été perle bloc par un mur invisible, d'après moi. Il essaie de se punch. Malheureusement, on peut voir que le joueur Trésor le suit de très près, mesdames et messieurs. De très très près. Je crois pas qu'il va réussir à s'enfuir, les amis. Je crois pas. Il va peut-être essayer de le trapper. Ce serait gros fils de pute de faire ça. Mais vous savez, maintenant, la communauté Minecraft, les amis, on peut s'attendre à tout. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Oh, Trésor est sur son cul, les amis. Il ne lâche pas d'un poil, les amis. Même notre commentateur assistant, Ico HD, est d'accord avec nous. Ok. Commentateur HD, Ico, est-ce que vous êtes d'accord que c'est un combat très intense ici, monsieur? Oui, on peut voir ici un combat très intense entre le jeune Popov et le jeune Trésor. Oh! Popov est tombé dans une trappe, mesdames et messieurs! Qu'est-ce qui se passe? Le joueur s'est fait trapper! Il a fermé la porte. Oh mon dieu! Le joueur s'est fait trapper! Oh mon dieu, les amis! Il rentre, il ferme la porte! Il rouvre la porte! En fait, c'est claim ou quoi? En fait, c'est. Ah merde, ferme la. Remets la porte, gros! C'est la porte! Il a mangé la porte, les amis, c'est un combat. Très intense!
Oh mon dieu les amis, qui pensez va gagner ce combat? Je sens la petite trappe ici, je sens bien la petite arnaque. Ils ont beaucoup de pression, les deux joueurs aussi, mesdames et messieurs, ont beaucoup de pression parce qu'ils sont vus devant des millions de personnages Minecraftiens cubiques qui vont regarder ce combat et vont se dire, Steve fils de pute, il le trappe. Je pense qu'on devrait... on va examiner un peu la trappe autour ici. Qu'est-ce que c'est comme type de trappe? C'est une trappe no-heal. Donc, c'est autorisé vu que c'est derrière les AP, malheureusement. C'est loin derrière les AP, d'ailleurs. Mais, vous savez quoi, les amis? Oh, je crois que Trazuk, c'est dans la merde en ce moment, les amis. Hein? Je sais plus. Est-ce que j'ai regardé tout à l'heure c'était claim ou pas? Non, c'est dans la wilderness. C'est dans la wilderness. What the fuck? C'est une trappe wilderness. Donc, les deux peuvent ouvrir les portes, peuvent casser les portes, peuvent tous les deux s'auto-trappe, en fait. Oh! Trazuk, c'est très low en HP, madame. Oh, Trazuk, c'est à 4 et à 8 là-dessus, les amis. Quel, je crois qu'il y en a un, deux qui a claim. Hein. Non, toujours pas, les amis. On est dans un claim au Wilderness, comme vous pouvez voir ici. Je sais pas, c'est quand même assez chelou. Il y a quelqu'un qui a TP, Lolo. Donc, Lolo est d'ailleurs mort. Repose en paix, Lolo. RIP, RIP, Lolo. Et, malheureusement, les amis, je crois que le joueur s'est enfui. Et ouais, il a back. Adieu.